Le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal se désole de voir qu'un seul citoyen ait pu causer la fermeture de la mythique salle de spectacle La Tulipe. Toutefois, Luc Rabouin refuse d'admettre que la situation actuelle est entièrement de la faute de la ville. Il y a un employé de l'arrondissement qui a fait une erreur. C'est vraiment dommage parce que les conséquences sont majeures, mais je ne suis pas sûr qu'il y a bien du monde ici dans la salle qui pourrait dire qu'ils n'ont jamais fait une erreur dans leur vie professionnelle. Luc Rabouin a annoncé qu'un conseil d'arrondissement spécial aura lieu demain pour soustraire au règlement sur le bruit les salles de spectacle, bars et restaurants. Mais impossible de savoir si cette modification qui est censée entrer en vigueur au mois d'octobre pourra changer quelque chose. C'est sûr que c'est difficile pour nous d'avoir une interprétation juridique de la conséquence d'une modification de notre règlement municipal, donc on ne peut pas se prononcer là-dessus. L'opposition à l'Hôtel de Ville reproche à l'administration Plante d'avoir tardé à réagir et est d'avis que la fermeture de la salle aurait pu être évitée. Pour nous, c'est vraiment trop peu, trop tard, ce qui a été proposé de la part de l'administration. Aujourd'hui, on le sait depuis des années maintenant que notre réglementation sur le bruit est complètement merdique et inapplicable à travers la ville de Montréal. Du côté des gestionnaires du cabaret La Tulipe, les pertes financières sont importantes. Il y a déjà eu une conférence de presse de M. Rabouin il y a plus d'un an. Ensuite, c'est inertie. Donc, moi, tant qu'on n'a pas des actions concrètes, je suis en attente. Inquiétude aussi du côté de Québec, alors que tant le gouvernement que l'opposition craint que le jugement du tribunal ait un impact sur les autres salles de spectacle de la province. C'est sûr que si La Tulipe en venait à fermer ses portes pour un règlement sur le bruit, ce serait absolument inacceptable parce que ça aurait aussi un impact sur d'autres salles à Montréal. Je veux bien les explications que c'est une erreur, que quelqu'un a donné un permis qui n'aurait pas fallu. Il faut maintenant qu'on remette la pâte à dents dans le tube. C'est pas facile à faire, mais il faut le faire. Un rassemblement citoyen est prévu demain soir devant le cabaret La Tulipe pour dénoncer la fermeture temporaire de l'établissement. Étienne Malouin, TVA Nouvelles, Montréal.